Yo les Castanabets, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de Don't Fritz The Edition. Ce jeu est un nouveau jeu indépendant disponible sur Steam gratuitement parce que oui, pour le moment c'est une démo et on va commencer les vacances d'Halloween. D'ailleurs passez à tous de très bonnes vacances les gars. On va faire la démo et tout là aujourd'hui, vraiment ça risque d'être insane. De ce que j'ai pu entendre, le jeu a l'air vraiment pas mal. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner et en plus de ça si vraiment on aime bien, le jeu final risque d'être insane aussi. Allez sur ce les gars, bonne vidéo. Ok. Ça a l'air très spécial hein, comme jeu. Bah c'est beau déjà pour du jeu indépendant. Putain. Ça a son style. Ça a son style. Mara. Mara. Mara, open up. It's me. We're gonna be late. Mara, ouvre-moi, on va être en retard. C'est moi. T'as changé la serrure? Tu dois te foutre de moi. Où est le garçon? Donne-moi Fred. Tu ne partiras pas avec lui. Fred, cache-toi. Qu'est-ce qui se passe? Don't Fritz The Edition. What the fuck? Ok, d'accord. Bah putain, je sais pas à quoi m'attendre, hein. Vraiment pas. Waouh. Fouette. Où est-ce que je suis? C'est vraiment pas le moment pour que les écouteurs y lâchent, hein. Vraiment pas. Après, je sais pas si c'est normal, parce que du coup, j'ai testé avec plein d'écouteurs, mais... Ah, vas-y, ça fait chier, quoi. Je sais pas c'est quoi. AJ, je viens de terminer la livraison de ce mois-ci. Les enfants vont adorer la nouvelle machine conducteur. J'ai remarqué que l'alimentation électrique principale était coupée. J'ai donc installé un dispositif temporaire autour de l'école. On se retrouve le mois prochain. J'ai laissé tes clés du lobby dans la réserve. Ce playroom, hein, du coup. Ça fait un peu mélange de... Waouh! Bon, je pense que... Y a pas de retour à rire. Ouah, c'est quoi ces bruits? Ok. Ça rappelle Bendy. Auteur harmonique, une symphonie de cris. L'école, autrefois connue pour ses musiciens talentueux, fait l'objet d'une enquête pour un autre élève disparu. D'accord. Lobby. Waouh, mon inventaire. Équipement, batterie. Waouh, y'a de ces bruits. What the fuck? Ok. What the fuck? D'accord. Oh, c'est quoi ça? Insérer une cassette. Ah, mais j'en ai pas des cassettes. Très perturbant. The Conductor. Ouais, je suis Freddy Krueger. Insert coin. Mais j'ai rien, frérot. Ah ouais, je vois plus rien, même. Voilà, ce sera mieux comme ça. Eh, mais tiens, dis. Y'a un truc, là. Je peux pas sauter, par contre. Ah bah tiens, gold coin. Parfait. Et donc normalement je vais pouvoir l'insérer ici là, ce conducteur. Tiens, prends. Prends ta pièce. Et donne-moi une cassette ou je sais pas quoi. Waouh. Waouh. Putain, j'espère vraiment qu'à la vidéo vous avez pas les parasites. Hein. Parce que franchement, moi là dans mes oreilles, c'est juste horrible. Vous avez pas idée à quel point. Par contre, je comprends pas du tout ce que tu me dis, frérot. Un ticket? C'est une carte. Il faut que je t'ouvre un truc dans l'école, j'ai l'impression. Oh bah tiens, une pile. What? Qu'est-ce que c'est?
Tu es un monstre, tu lui en as trop dit, et maintenant elle a disparu à cause de toi. Mon Dieu, je ne peux même pas me regarder dans le miroir. Mon propre reflet me dégoûte. Tout a commencé par un simple geste de gentillesse et s'est transformé en la disparition de Shell. Maintenant, j'ai une dernière chance, une opportunité de me racheter. Tout dépend de Fritz. Cette fois, je dois rester dans l'ombre. Mais qui parle? C'est chelou. Pas de Lucky, d'accord. Ok. Colette, une nouvelle pièce, d'accord. C'est chelou ce truc. Wesh! J'ai besoin de te parler, Jay. Mais les sous-titres vont tellement vite que ça va même pas avec ce qui se passe, tu sais. Il y a un vrai problème avec les sous-titres. J'ai rien compris à ce qu'ils disent, franchement, je comprends rien du tout à ce que les personnages disent. Je vous dis tout de suite. Mais il n'y avait pas un délire avec d'autres pièces là? Non. Même pas. D'accord. Bon, bref. Je vais rallumer la lumière parce qu'on voit rien du tout. Voilà, ce sera mieux comme ça. Alors, j'ai quoi dans mon inventaire? J'ai... Ah bah tiens, parfait. Bah, du coup, j'ai la clé pour ici. Parfait. J'ai quoi d'autre? J'ai la carte du conducteur et Payphone Coin. Okay. Peut être utilisé pour appeler quelqu'un. Oh non, mais là, les parasites dans mon oreille, c'est juste trop. Wesh. Wesh. What the fuck? Mais c'est quoi, c'est notre père qui nous recherche? Notre père qui nous recherche? C'est quoi le délire? C'est quoi cette blague? Je peux pas ouvrir la porte là. D'accord, et là faut que je trouve des cadenas. Trois. Il y a trois serrures. Faut que je trouve trois clés du coup. Mais. D'accord, ok, d'accord. Pas de soucis. J'ai compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Jukebox. Oh mon Dieu. Harmonic Heights, fondé le 4 septembre 1990 par le docteur Sharon Dreed, est un internat prestigieux dédié à nourrir les dons uniques des élèves dans un environnement favorable. Vous trouverez ci-dessous votre code d'accès personnel à l'école. Ne partagez ce code avec personne. Code d'accès 2969. Bienvenue à Harmonic Heights. Ok. Alors, est-ce que ce serait pas par hasard ce code-là? Je pense, hein. Parfait. Et donc, cette fois-ci, je peux rentrer là? Ok, cette fois-ci, on est dans l'école. On dirait que l'école a été abandonnée depuis quelques années. Je dois retourner à la maison. What the fuck? Quelqu'un? Le jeu est beau, putain. Work order, fixed broken boombox. J'ai besoin d'une nouvelle antenne pour la refaire. Souvenez-vous de la fréquence. Run. Cours. Oh putain! La gueule que j'ai. Qu'est-ce que je suis devenu? Je suis devenu une putain de guitare. D'accord. Très bien. Ouais, il y a un de ces bruits, c'est juste horrible. Nous avons un nouveau colocataire à C91 qui a dit avoir vu une de ces choses dans les conduits. Oh, c'est flippant là, la petite peluche là. Dans les conduits d'aération, je lui ai demandé comment il s'était enfui et il m'a dit qu'en courant dans une salle de classe sombre, il avait allumé sa lampe musicale juste avant qu'elle ne l'éteigne et qu'elle s'était figée sur place. Faut que je trouve un moyen de l'éclairer. Waouh. Ça, c'est pas cool, ça, tu vois. Donc, il y a bien un truc qui se balade dans les conduits. Ok, d'accord. Ça, c'est un truc pour se heal. Pour regagner de la vie. Oh, ça marche, ça. Vas-y, utilise ta pièce, là. C'est ça. Attends, mais j'appelle qui moi? Oh putain la vache! Mais oui, il faut que j'appelle ça. Oh putain, j'ai eu la chance. Heureusement, j'ai appuyé sur le 5 direct. 4, 5, 6, 1. Public twice.
Oh bah tiens, une cassette. C'est ça, hein. C'est ça, c'était une cassette. Wesh! Je crois qu'il y a un énorme truc à la cafétéria. Wesh! C'était quoi ça? Bah vas-y, forcément. Oh! D'accord. Oh putain. Je me casse, hein, c'est bon. Je pars, je pars, je pars. C'est quoi ça? Oh, une pièce. Oh non, c'est fermé la tête de ma mère. Ah oh, putain, faut que je fasse un truc avec le piano. Ouais, je vais me faire buter. Oh la blague, mais attends, mais il est foutu ton piano, frérot. Mais c'est quoi cette merde? Ouais, j'y comprends rien. Oh merde. Excuse-moi frérot. Mais je comprends pas ce délire avec le. Avec le C là. Wow, 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 wow. Il a pas ouvert? Mais c'était quoi ce bruit? J'y comprends rien, je vous promets, je comprends rien. Oh le jeu, je sens qu'il va être ennuyant. One eternity later. Oh! Ah mais oui, ah oui, ah oui, bah oui, c'était le code couleur. Je suis con, mais oui, c'était une couleur. C'était les couleurs qu'il fallait se. C'était aux couleurs qu'il fallait se fier. Wow. Putain, c'était long, hein. C'est très étrange. Ah d'accord. Doucement, doucement, cousin. Tout aussi con que les monstres sur Devour. Ok. Ouais, chaud, chaud, chaud. Doucement, frérot. Oh! C'est pas vrai? Mais c'est trop bien! Wow, wow! Ça, c'était quoi ça? Par contre, c'est extrêmement stylé. Fermé. Oh, il y a une porte rouge là-bas. Ok, c'est le canal là. Oh, insérer la cassette. Oh, une antenne, parfait. Oh, bon, d'accord, c'est une musique. J'imagine que c'est Rocket Music. Je vais tourner à l'entrée. Parce que j'ai enfin trouvé l'antenne. Tiens, allop. Porte rouge 104,3. Porte rouge 104,3. Ok. Ça, c'est la porte rouge tout au fond du couloir, ça. Waouh, waouh, waouh. Salut. Oh putain, ça le tue pas. Juste c'est le stop. Oh putain, je me casse. Arrête. Je vais mourir. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais ça va être horrible. Faut que je passe. Merci bien.
Bah ben oui, je vais mourir, mais c'est trop dur. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment est-ce que je fais pour l'esquiver. Comme ça seulement. Mais c'est impossible. Regarde ça, comment elle court vite. Ah, vas-y, toi, recule. Fritz, Fritz. Oh. Pourquoi tu rigoles? Quand j'ai failli gagner, encore une fois. Ah, bon, il est là pour m'aider, enfin normalement. Tapehead is here. Qui est Tapehead? Il est un peu plus gros que ce que tu as pu voir auparavant. Bonne chance. Comment ça? Tapehead. What? Alors ça c'est flippant ça. Mais what the fuck? Ouais, faut que je me casse de là quoi. Waouh. Cours. Oh. Oh non. Voilà blague. Ok, non, casse-toi, cours. Et c'est la fin de la démo? Déjà, putain. Ok, bah voilà, mais les gars, du coup, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du jeu. Est-ce que vous avez pensé la vidéo, bien évidemment. Le jeu, franchement, il a un potentiel de fou. J'ai très hâte de voir la suite. J'ai très hâte de voir le jeu complet, parce que franchement, il m'a l'air d'être franchement très très bien. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, puis le monstre à la fin, là, franchement, très stylé, Tapehead, hein, du coup, là, le monstre, là, enfin, tête de cassette, très stylé, ça rappelle un peu Sirenhead, un peu dans le même style, hein, bien sûr, forcément, mais c'est très stylé, c'est très stylé. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, tout ça, bah, n'oubliez pas de lâcher un like, les gars, de vous abonner, en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune des prochaines vidéos, n'oubliez pas que ces vacances-là risquent d'être épiques, parce que j'ai vraiment prévu du lourd, vous n'avez pas aidé, sur ce, les gars, on se retrouve très bientôt, ciao, les gars.